va avec Medu. Ça me tue, moi, ça me renverse. C'est des vrais gosses, ils attendent jusqu'à la fin. Vous reculez derrière la ligne rouge, s'il vous plaît. Derrière la ligne rouge, merci. À l'arbitre des coupes et des médailles. Je voudrais vous rappeler que nous avons entre nos mains un téléphone et une lettre. Un téléphone qui est donc il reste une lettre sur l'écran. Alors je voudrais remercier toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Remercier tous les éducateurs pour leur fair play. Tous les arbitres du club qui vous ont bien aidés, tous les bénévoles et tous les parents qui ont eu la patience d'attendre toute la journée. La buvette aussi. Et le personnel de la buvette, bien sûr, mais ça fait partie des bénévoles. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, parce qu'il n'y aurait pas tous ces bénévoles-là, je ne sais pas comment on ferait. Les arbitres officiels en plus de hier. Bien, Jean-Marc, on commence par la fin. Alors il en faut un, il en faut toujours un dernier, hein. Mais en tant que l'essentiel c'est participer. Alors c'est l'entente de Saint-Priest. Tout de suite devant, Bordeaux-Saône 2. Bordeaux-Saône 2. À la 14e place, Grigny. Grigny. À la 13e, Bordeaux-Saône 1. Alors là, on va voir le podium, mais c'est pas un podium tellement beau, mais enfin. 12e, Pézin 4. Pézin 4, 12e. 11e, Pézin 3. Pézin 3. Dixième, Pézin 2. Pézin 2. Pézin 2. Neuvième, Naes Cheminot. Huitième, Jeunesse 2. Alors, pour la 7e place, je voudrais les remercier et les féliciter. Ce sont les filles de l'OL qui nous ont fait voir du beau spectacle. Merci de votre présence et merci d'être venu ce soir. Merci. Merci pour le cadeau. 6e, Jonas 1. Tu étais combien, tu étais ? 5e, Chaponnet 1. 4e, Lasvel. J'ai une belle équipe aussi. 3e, Chaponnet 2. 2e, Trinité. Et enfin, 1er, gagnant du tournoi, Pézin 1. Alors, je vous remercie encore tous. Merci de votre visite, merci de votre présence, de votre sportivité, de votre fair play. Merci à tous et bonne route.